Coucou les gens, ça va? Ça va bien là? Regarde chérie, chérie. Attends, tu me regardes. Tu es terrible. Non, non, c'est un peu vu, c'est pas grave. Le truc du petit, c'est pas grave. Oh. C'est pas grave. Je te dis de laisser, laisse. T'as rien compris. Au goût de ça. Rien à dire, les gens. Parmi son gars, vous salue. Parmi son gars, vous salue. Merci, chérie. Dégustation du Misunga. Au goût de ça. La dégustation de ça. Avec le pochette de Goût Babol. Goût Babol. Le piment. Misunga. Bon, il n'y en a pas, hein. Je délise des tatas de doux. Au goût de ça. Installez-vous. Avec le bobolo. Si on voit, on va tout à manger dans un petit piment comme ça. On va sauver ou à tirer, on va dire tous. Un bel chemin. On goûte ça. Un peu dans le piment. On termine. Le piment pique. En tout cas, quand on mange le piment, il faut toujours avoir un bon petit piment à côté. Comment ça va, mes gens? Bonjour à tout le monde. Ici, c'est la séance dégustation. On déguste le misunga. Ce sont les tripes de bœuf attachées avec les boyaux. Moi-même, je cuisine ça. C'est ma spécialité. Si vous voulez manger comme moi, commandez au 06 58 15 90 06. D'accord? Avec le bobolo. Ça, c'est une pâte faite à base de manioc. C'est un dérivé de la tubercule, le manioc, qu'on fermente. Et après, on fait cuire. Et on fait des petits bouts comme ça, là. OK? C'est un accompagnement. Très bon avec. Au bout de ça. Ma spécialité, c'est ça, là même. Et pas autrement.
Ouais. Quand tu prépares quelque chose, mange toi-même. D'accord? Ma page, c'est en direct avec Tata Doudou sur Facebook. Tapez. En direct avec Tata Doudou sur Facebook. Allez vous abonner. Mon numéro de téléphone, c'est 06 58 15 90 06. Bon. Aussi, j'avoue, je fais ma publicité en même temps parce que maintenant, c'est comme ça qu'on dit qu'on va manger. Tu as appelé au bon moment quand j'ai vraiment fini la vidéo. Ah, j'étais maman. C'est maman. Et moi, la femme, c'est. Maman. Bouillantine. Merci, maman. Maman, tu fais l'angoine où depuis? Je te cherche comme je cherche le billet de 10 000, le nouveau billet de 10 000 qui est sorti chez vous là. Hey! Tu m'as appelé hier. Tu m'as appelé hier. On est en direct. Vous ne savez rien? J'étais à une messe d'enterrement hier, maman, quand tu m'as appelé. Il y a un petit garçon qui est de 18 ans. Le collègue de Bichounel, Babo Coral. Non, go où? Non, mais c'est un peu de temps. Mais c'est un peu de finir. Mais c'est enterrement. Donc, quand tu m'as appelé, j'étais là-bas. Elle m'a parlé à vous louer. Hé. Pendant une minute, nous tu es bien que pour. Non, d'accord. Mais bon. Quand l'occasion va arriver, ben. Voilà quoi. Donc, je suis dans une petite dégustation mensongatique. Non, c'est très bon, maman. Mais quand tu prépares quelque chose, à force de préparer ça, tu n'as pas envie de manger. Et après, le goût te revient. Quand ça te revient là. Attendez, j'arrive, je m'en vais chercher le public. Surveillez, que maman ne touche pas. Maman n'a pas touché. Voilà. Maintenant, en direct, ma carbone, tu vas me surveiller, toi, Namba. Vous avez le bonjour de maman. Maman vous salue. La jeune fille de 70 ans vous salue. Ça va, chérie? Avec ta toux là. C'est comment? Et qui boit un peu de nous. Il y a le coca. Ça va aller? Bonjour à tous, et merci de passer cet après-midi. Moi, je suis tellement jeune, je suis là. Très belle année 2023 avec tout en que la position. Je suis encore ma fille, quoi. Et quoi, nous avons besoin de quoi, nous avons besoin de quoi, nous avons besoin de quoi.
Ah oui, c'est vrai. Comment ça t'a oublié? Attendez, on va parler après. Vous êtes pressé. Tata Doudou, tu ne gères pas. Yes. Quand c'est bon, hein. Tu n'y as quoi? Même la matière même connaît, non? Oh, mais regarde. Mary Queen, ça va? Bonjour. Et à vous, ce que vous m'avez dit, c'est la magie. Attendez, pas chercher un complément. Vous allez, on va chercher le complément. Attendez, j'arrive. Les petites plumes. C'est. N'est-ce pas? J'ai mis ça au four. Voilà. On va saucer. Avec la petite sauce là et le piment. Ça sort du four. C'est-à-dire que j'ai seulement mis le papier à lui, j'ai jeté au four. N'est-ce pas? Dounou. Dounou. Tu te vois là dedans avec Alain.
Avec le bon ballon. Ok. On va dire que ça. Ma canneban, c'est peut-être bien canneban. On va dire ça. Dame Steele, ma fille. J'ai vu que tu m'as appelé, je suis avec maman au téléphone, on se reprend tout à l'heure. C'est ça, ma chère Zundo. Ma dieu Zundo. Maman, ça ne va pas, on va faire Zundo. Quand tu manges, tu prends le mouchoir. Non, vous savez ce que ça veut dire, non? Je veux quelque chose qui me réchauffe. Je suis au Lusa. Diane Gacha. La récolte de ça comment avec vous? Les gens du Lusa là. Il y en a qui le souvent prend ici, il met dans les sacs pour repartir, ça arrive. Hein. Le noyau de la prune. Comme vous êtes là, le noyau de la prune. Ok. Dame, j'ai ok. Thomas, une. Comme d'habitude. Maman, c'est chaud jusqu'à. Elle a déjà le goût comme ça quand on gagne. La vapeur qui sort. Mais la vapeur qui sort. Ah, ça, je fous. Après, tu trempes dans le petit piment, tu sauces avec la sauce qui est là. Tu prends le Boblix. Désolé pour les gens qui sont loin, qui n'ont pas la qualité de nourriture à côté. Je suis fait de me voir manger comme ça. En espérant que le jour qu'on va se voir, je vais tout vous préparer, je vais vous faire les courses de tout ça. Je fais souvent les courses comme ça aux gens. Les gens qui vivent en Suède, en Espagne, en matière de pays bizarres, bizarres là. Quand vous arrivez sur Paris, que vous avez l'occasion, hey. Vous faites la liste, non? Tata du jour, vessi, tata du jour, vessi, tata du jour, vessi. Je ne fais pas expressément. Ce n'est même pas un parasite. Donne. Si tu étais ici là, au petit noyau, ça. Quand c'est petit, tu mets seulement dans la bouche comme ça. Hé hé.
Le noyau de la prune, mbangse. Si on t'insulte, que on t'a, quelqu'un t'insulte, regarde-moi sa tête comme le noyau de la prune. Fais-lui la bagarre. Te manque pas. Ça veut dire que ta tête, on la rentre dans la bouche comme ça et puis on ressemble. Il faut faire la bagarre. Ta tête comme le noyau de la prune. Il faut faire la bagarre à la personne. Comment? Ça, c'est adieu. Les deux premières que j'ai mangées, là, c'était bon. Ça, c'est à coller à la peau. Coller au noyau. La peau est collée au noyau. Quand c'est la couleur, on noyau. Couleur au noyau, ça se mange. Et le goût qu'il y a dedans. On m'a donc saucé l'assiette. Vous mangez que j'ai bien mangé. J'ai encore bien apprécié mon moussunga là. Franchement, c'est celui que j'ai lavé et cuisiné hier soir là, non. Vous vous rappelez que j'ai mis quelques en plus, non. On ne fait pas semblant avec ce qui est bon. Même si c'est moi-même qui ai préparé. Parce que vous savez que quand tu es raté, tu fais. Je ne veux pas s'amener avec celui-ci. Mais ma foi, voilà, je suis dans ma propre. Je regarde si ça ne s'est pas pressé. Comment tu, baby? Comment tu vas, ma fille? Ok, maman. Tu parles déjà. Ma caméra, je veux quoi vous dire? Je n'en vois même pas, mais voilà qu'un seul toit placera plus. Donc on enlève les plis. Ça va. Ça va, mais c'est un bon beau plus. Trop bon, mes gens, je viens de bien manger. Vous pensez à côté là? Tu manges le goût, pas pour manger pour se goinfrer, mais pour manger le goût. Le goût, c'est ça. Pas parce qu'on a faim, mais pour le plaisir de déguster quelque chose de bon. Bon, pardonnez, hein, c'est le piment que j'ai mangé. Vous croyez que ça réveille un peu les... Voilà. Bon, on va jeter tout ça. On revient s'installer. On accompagne par mon souverain. Ça.
Ça va mes gens, on est comme un samedi anglais, calme, voilà. C'est calme comme ça partout. Hmm? J'ai seulement trouvé que tu es parti. Il fait froid. Hey, ma fille, awa, awa, oh. À la vôtre. Allez, attention, je vais rouper. François, tu as mis la robe dans la chambre. Aïe, beaucoup de ça. Ça va, mes gens, vous dites quoi? Ah, rien. Tu dis quoi? Bonne année, chérie. Elena Marco. Très calme avec le virus hivernal partout. Ah oui. Ah oui, oui. Mais je reste au lit. Et le rhum, là, commence à prendre possession en moi. Ça me menace plus comme ça me menace. C'est avant la fatigue et tout ça, là. Les enfants sont absents, tata. Non, la pépette est dans sa chambre. Nicolas est parti chez son copain. Hmm? Donc, je suis avec mon plus grand enfant, le bébé. Voilà. Mon grand enfant. L'aîné de tous mes enfants. Pam Sunga. Et là, j'en profite, comme c'est samedi, j'en profite pour aller. Donc, dès que je suis venu ce matin là pour vous faire un petit coucou, n'est-ce pas? Hein? Vous faire un petit coucou. Ma commande du matin est venue chercher. Heureusement que je n'ai pas préparé parce qu'il voulait ça, ce qui n'est pas préparé. Ah, boy! Mais t'as arrêté. Tu vois que même tu arrives ici en boîte. Maman dit que je rôde, ça arrive jusqu'à vous, Gada. C'est ça même. Mmh. Oui, bébé, parmi ce gars. Hein? Merci, Titi. Elena, tata Doudou, une sainte heureuse année. Merci beaucoup, Elena Marco. Merci beaucoup. Sabine Poujol. Ah, ça, il faut bombarder. Hein? Pablo, tu es venu à mourir avec le temps. Tant que vous m'avez à mourir avec le temps. Oui, même pas tellement. Il faut s'occuper de lui, non? Hmm? Il faut s'occuper de lui. Les caprices de ça quand tu ne t'occupes pas de ton enfant. C'est pareil. Il faut s'occuper de lui. Il faut s'occuper de lui. C'est ça. C'est un grand enfant. Un peu spécial. Je ne sais pas.
Tu ne veux pas faire le régime. On fait le régime et Eva Fumba. Non, je ne veux plus. Mieux je reste. Laisse-moi comme ça là. Laisse-moi comme ça. Je ne parle pas. Tu veux me faire parler, je ne parle pas. Adi, parle. Bonjour, chérie. Ça va et toi? Tu es bien réveillé. Hein? Et je rentre même en direct. Bon, mes gens, je coupe avec vous. Je m'avais fait le Congo, ça avec les gens du pays, je reviens. Hein? Ma maison a tremblé en Belgique avec le routage. Je me sens à l'aise, je suis chez moi. Qu'est-ce qu'il y a que vous voulez m'étouffer même quand je suis chez moi? Vous mentez. Là, si j'ai envie de péter, je pète. Si j'ai envie de rôter, je rôte. C'est comme ça. J'aurais fait le secrétaire avec les gens du pays. Vous regardez ma pelle. Je parle un peu avec que je reviens, mes gens. Tu es très belle, Tata Doudou. Même sans maquillage. Merci. Ça se voit que c'est ma journée de dormir. Le un samedi comme ça qu'il n'y a pas de commande. Mon frère, tu fais quoi? Tu dors. Et c'est ce que je fais. J'ai fini de manger. Hein? Et puis, je mange. Je mange. Au bout de ça, c'est comme ça. On est en hiver. Tu vas sortir pour aller où? Quel est le shopping que tu vas aller faire maintenant? Les magasins, ce n'est que les pulls, les manteaux, les bonnets, les chaussettes fourrées comme ça là, les chaussons comme ça là, genre avec les gros nounous. Ce n'est que ça qu'il y a là-bas dehors. Il y a quoi de bon? Il n'y a rien d'intéressant. Donc mieux tu restes au lit. Mieux tu restes au lit. Il n'y a rien de bon. Aucune tenue qui peut te plaire là-bas dehors, là-bas maintenant, pour dire que bon, voilà, tu vas aller voir, tu fais du shopping, tu vas faire ceci. Tout est seulement là-bas, les gros manteaux, les gros pulls. Arlette Bureau, coucou ma tata, tu es en direct, tu n'es pas chez toi, et tu es en direct, donc désolé. Mais je suis en direct. Dans, ici, là, sur mon mur, je suis chez moi. Hein? Parce que vous prenez ça que bon, c'est les réseaux sociaux, faut faire attention. Ma chérie, même là où il faut faire attention, les gens ne font pas attention. Donc moi, j'estime que je vis, je respire. Je fais comme tout le monde peut faire, normal. Oui, parce que si je faisais les choses que oui, on est dans un lieu public, il faut faire attention. Ma chérie, il peut arriver de péter en public, tu pètes. Mais les gens ne vont pas entendre. Hein? Alors que quand tu arrives chez toi, tu fais comment? Tu te lâches. Hein? Ton enfant va te dire, mais maman, t'as pété. Elle dit, bah oui, tu respires. C'est la même chose que je suis ici. Quand je suis ici, non seulement je suis chez moi. Sur mon mur, je suis chez moi. Donc si j'ai envie de me faire plaisir, de me libérer, je me libère. C'est comme ça. Hein? J'ai donné envie, je mangeais là tout à l'heure. J'ai donné envie à maman. Là voilà qui mange déjà aussi. Toi tu es chanteur, abonne-toi à moi. Il faut pas rater la chance. Rap gang, en plus gang, flow. 225. Mmh. Moi-même, j'ai encore ma morue. Ça va venir. Je vais faire ça avec les choux, carottes et haricots verts. Et on a fait ça avec le tug. Ah, vous avez mis dans le tug. Hein? Ta mère a fait ça avec le tug. Est-ce que je prépare le marron? Je voilà, Titine. Je rôde, je pète, rien ne m'arrête. C'est comme ça? Mm-hmm.
So I'm rotting and petting nothing to arresting me. I'm rotting and petting. Nothing is arresting me. Je rote, je pète et rien ne m'arrête. Je vais couper la partie d'avoir TikTok. Ouais, ouais, quel est. Bon, mes gens, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je reviens plus tard, d'accord? Je m'en vais discuter un peu avec les gens du Cameroun là. Je vous reviens tout à l'heure. Bisous. Allez liker mes vidéos partout, partout. Je verse déjà ça partout. Chérie Coco de moi, j'allais venir déjà te voir là, comme ça là. Hein? Comment tu es beau comme ça là? Ou avec quoi? Les gens se cachent pour mourir, ma soeur. Je vois comment. Comment il pas garder ma bière? Que j'ai fait quoi? Tu as envoyé 20 000 pour quoi? Engamba, c'est lui qui ne t'a pas donné. Quoi? Le malhonnête là, il m'a pas donné. Il a tout bu. Ça va et toi? Ça va, tu es plus belle, ok? Tu es en direct? Oui. Ok, tu bois l'eau? Je bois le coca, mon frère. Je te dis. C'est grave. Bonne année, bonne année. Oh, Sandrine, j'allais demander que Sandrine est où? Je vais vous verser ces jours-ci. Je vous préviens d'abord que si vous voyez seulement sur Facebook là, sachez que j'ai déjà seulement gâté le coin. Je vais vous verser. J'ai vos photos ici, la magie. Ne me dis pas ça. Donc, on sera vous allez être, je vais vous fabriquer. Comme quand on te met sur la page, on te dit seulement que on t'a fabriqué. C'est comment? Tu n'as pas bossé aujourd'hui, ma chérie? Ah, tu sors du. Donc, tu as le samedi free. Après un samedi du mariage là et tout ça là. J'ai fini le travail le matin. Donc, maintenant, je suis vraiment free. Waouh. Ah, ok. Bonjour. Je vois ce que tu. Je vois. Tu vas faire. Oui, c'est comme ça. C'est toujours derrière moi, non? On va faire comment? Et vous regardez seulement aussi. T'inquiète pas, je bois à ta santé. Bisous, love you. D'accord. Bye bye, yo. Et j'ai demandé la bonne chose que madame fera. Voilà, donc là maintenant, c'est position où? Au bas? Au PS? Oui. Le bout du PS. La maison même, le salon même nous sert à quoi? Tout ce décor là, ça sert à quoi? Parce que c'est la bonne vie, c'est au bar. On ne reste pas à la maison en Fouganda. Tu passes mal t'asseoir au bar. Les enfants qui sont nous au bar, c'est nous. On ne connaît pas les histoires qu'on vient rester à la maison. Et la France, c'est... La France vient seulement finir avec nous. Ouais, dit que. Bon, mes gens, je vous laisse. Je vous laisse. Je cause avec maman un peu là et puis je vous reviens plus tard. D'accord? Bisous, bisous.